Salut à tous et bienvenue pour ce Learn to Play sur Kindred, les chasseurs éternels. Pour ce tutoriel, nous allons voir comment s'en sortir en jungle avec ce personnage unique en son genre. Pour commencer, prenez vos sorts d'invocateur, rien de bien exceptionnel de ce côté-là, un saut éclair et un châtiment feront parfaitement l'affaire. Concernant les runes, on va prendre des dégâts physiques en rouge, de l'armure en jaune, de la réduction de délai de récupération en bleu et de la vitesse d'attaque en quintessence. Toutes ces stats sont très importantes pour à la fois clean facilement la jungle, tout en ayant de l'impact lors de vos ganks. Pour les maîtrises, un bon 21-9-0 est à prendre en compte. On se focalisera sur tout ce qui peut augmenter vos dégâts physiques et vos sorts. Pensez à prendre les points réduisant les dégâts infligés par les monstres, car vous êtes très fragile, surtout en début de partie. Voyons maintenant les sorts. Pour votre premier camp, prenez la frénésie de loup, votre Z. Ce sort fera un maximum de dégâts par rapport aux autres au niveau 1, avant d'enchaîner sur la danse des flèches, votre A, qui sera le sort le plus important. Prenez ensuite la terreur mortelle au niveau 3 ou 4, en fonction de votre intention de gank, et bien entendu au niveau 6, 11 et 16, le repos d'agneau sera primordial. Pour le starter, étant donné qu'il n'y a pas 36 solutions à part une machette et deux potions de vie, on va surtout s'attarder sur les orientations possibles. Dans un premier temps, la meilleure évolution de votre machette sera le défricheur du ranger. Un châtiment de zone avec de la régène sera bien plus efficace que les autres choix. Parlant d'évolution, deux gemmes sont possibles pour votre item jungler, l'enchantement guerrier ou dévoreur. Dans 90% des cas, je vous conseille de prendre le guerrier. En effet, le dévoreur peut être tentant, mais il sera extrêmement situationnel car dépendant de votre équipe, il est très dur de se focaliser sur le farming quand toute votre équipe est en difficulté. A vous de jauger votre rôle et l'impact que vous pouvez avoir sur la partie. Une fois arrivé dans la partie, il vous faudra d'abord penser à votre premier cycle de jungle. Le mieux à faire est et restera de faire une duo jungle. Pour ce faire, rien de bien compliqué. Un bon partage d'XP comme vous pouvez le voir ici, tout en laissant un minimum de gold à votre duo. Vous économiserez de précieux points de vie pour vous orienter ensuite vers un early gank. Ma route préférée, celle que je vous conseille, c'est de démarrer à l'opposé de la top lane pour arriver en haut niveau 3 avec une capacité de gank intéressante. Pour enclencher le gank, le mieux à faire est de dash en avant avec votre danse des flèches, poser la terreur mortelle sur l'ennemi pour vous rapprocher plus facilement bien sûr, et activer la frénésie de loup quand l'ennemi est proche de vous. Si votre top laner dispose d'un minimum de contrôle ou de dégâts, c'est soit un saut éclair, soit un premier sang gratuit. Avant de passer à la phase 2 de son gameplay, nous allons nous intéresser de près au repos d'agneau, son ultime. C'est un sort extrêmement complexe qu'il vous faudra cerner au maximum avant de tester le champion. En effet, ce dernier pose une zone autour de lui ou d'un allié pendant 3 secondes. Sur ce délai, personne ne peut mourir dans ce sanctuaire. Pensez-y comme un Zonia de poche. Beaucoup de champions disposent d'un finisher. On pensera par exemple à Darius ou encore à Zed. Dans le cas de ces champions, soyez attentifs aux animations adverses et posez votre zone juste avant que les dégâts soient infligés. Dans plusieurs cas, ça peut sauver des vies et surtout empêcher un reset un peu trop douloureux. Revenons maintenant aux phases de regroupement. Il y a bien entendu la partie que nous venons de voir, mais aussi votre positioning. Passé un certain stade, vous faites office de second carryadé, soyez donc très attentif au positionnement adverse et restez en arrière vis-à-vis de votre frontline. Même si vous pouvez vous rendre immortel, il vaut mieux agir comme si vous n'aviez pas cette possibilité. Attendez l'engage de la part de vos alliés et suivez l'agression. Le meilleur moyen d'être impossible à cibler sera de poser votre frénésie du loup et d'ensuite utiliser votre danse des flèches au maximum pour vous repositionner en permanence. Passons maintenant à l'équipement. Nous avons vu au début quel item jungler prendre, à savoir le défricheur du ranger avec l'enchantement guerrier. Pour le choix des bots, des jambières de berserker sont optimales. Il arrivera parfois que vous soyez amené à choisir des tabi ninja ou des sandales de mercure, mais c'est un peu plus rare. Partez ensuite sur votre optique DPS en vue du passif de Kindred. Une bonne lame du roi déchu est excellente sur ce champion, ainsi qu'un poignard de statique. Enchaînez ensuite sur une soif de sang avant de prendre un dernier souffle pour percer les résistances adverses. Merci d'avoir regardé ce tutoriel sur Kindred. N'hésitez pas à lâcher un commentaire ou mettre un pouce bleu sur ce contenu si ça vous a plu. Vous pouvez retrouver une gamme complète commentée ici ou regarder le Learn to Play précédent en cliquant sur l'image. Mais dans tous les cas, c'est à vous de carry.